On peut peut-être prendre, pour illustrer ce que vous dites, le cas de Franck Le Drian. À la base, informaticien. Oui. Enfin, mais il y a peut-être très longtemps, Vous avez oublié peut-être déjà. Il y a une vingtaine d'années, oui. Dans le Val d'Oise, loin de la montagne. Ouais. Et après, donc, un changement de vie ou une reconversion professionnelle. Oui. Moi, j'étais aux antipodes de ce que je fais maintenant, puisque je bossais pour la pétrochimie, l'armement nucléaire ou des choses comme ça en informatique. Vous étiez du côté de la force obscure, quoi. Tout à fait. de ce côté-là. De la force. Voilà, tout à fait. Donc, c'est la même chose, oui. Donc oui, j'aimais ce boulot. Moi, je faisais quelque chose qui était assez intéressant, qui était techniquement assez passionnant. Je voyageais beaucoup. Ouais. Mais j'ai saturé par de pression, de quantité envie de travail, envie de changement. Et je suis venu ici me mettre au vert parce que j'étais venu en vacances une fois dans le coin. Ouais. J'ai voulu changer de boulot et je me suis dit que j'aimais bien la montagne. Donc ça s'est embrayé un petit peu sans trop y réfléchir. Ouais. Pas du genre à réfléchir extrêmement longtemps. Mais comment on passe de la photo à... Enfin, je veux dire, on aime la montagne, on se balade dans la montagne, à une photo un peu systématique, encyclopédique. Ça s'est fait parce que je pense que je suis construit comme ça, en fait. Hein. C'est vrai que mon fils collectionne des Pokémon, pour revenir au sujet, donc on est un petit peu dans le même genre de choses. Mais en fait, je me suis dit que je devais trouver un boulot dans le coin, possiblement aux antipodes de ce que je faisais avant. J'aimais la montagne. J'ai entendu parler de la formation d'accompagnateur en montagne. Et je me suis dit, ces gars et ces filles, c'est des surhommes. Ils connaissent tous les cailloux, tous les oiseaux, toutes les fleurs, tous les insectes. Ils passent des heures dans la montagne. Voilà, ils connaissent tout. Forcément, je m'étais fait un monde de ça. Et du coup, je me suis dit, je vais attaquer tranquillement la chose par un angle qui va être la botanique. Parce que j'avais fait un peu de bota quand j'étais gamin. J'avais fait une classe patrimoine là-haut en Picardie, au château de Chantilly. Il y avait un jardinier qui nous avait montré quelques espèces. Enfin, c'était, j'avais trouvé ça sympa, mais bon, ça m'avait plu. Mais bon, j'avais pas fait plus de bota que ça, quand même. Quoi. Ça vous a fait rêver, quoi. Voilà. Et puis, j'ai attaqué en achetant un petit guide, qui n'était pas de chez Biotope à l'époque. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et puis, je suis parti comme ça. Puis, j'ai fait des bonnes rencontres, notamment Édouard Chasse, qui a écrit l'Atlas de la flore des Hautes-Alpes en 1994. Qui était le premier atlas exhaustif d'un département, qui était un livre monumental, qui maintenant... Et c'était de la photo dedans ? Non, pas du tout. On était aux... C'était quelques illustrations faites par Dominique Mention, le dessinateur de la flore forestière. C'était un atlas, c'était des cartes, des cartes, avec trois phrases par espèce. C'était une base scientifique. C'est la référence. C'était la première base départementale faite en France, elle est aux Alpines. Faite par donc Édouard Chasse, qui était ingénieur agricole à l'époque, pas ingénieur agronome. À la retraite, il s'est dit qu'il allait inventorier toutes les plantes du département, ce qui était un truc complètement délirant à l'époque. Hein. Ouais. Combien de plantes 4000 et des bananes, dedans, 4002, je crois. Il a dû créer un outil informatique à l'époque, dans les années 1990, c'était déjà novateur. Ouais. Donc il a créé son outil, il a créé la notion de base de données, qui n'existait pas à l'époque. Il a créé la cartographie qui n'existait pas. Système cartographique, on fait quoi ? On fait des mailles, des carrés, mais les carrés font quelle taille ? Tout ça, ça n'existait pas. Ouais. Donc il avait inventé tout un système, il a sorti un ouvrage qui est épuisé maintenant, et puis de toute façon qui aurait besoin d'être réactualisé. Et donc j'ai fait sa rencontre, et c'est lui qui m'a fait progresser énormément. Et puis de toute façon, j'ai une nature assez passionnée, donc c'est vrai que dès que j'ai mis le doigt dans la bota, je suis parti à fond dedans. Et du coup, vous avez dit, j'ai photographié toutes les espèces. Ouais, dans un but au départ, je pense, de... sans honte, de collection, pense. Hein, c'est bête, mais c'est la même photo que d'autres photos ou c'est, Comment ça? C'est quoi les contraintes Est-ce qu'il y a une saison pour photographier certaines choses Est-ce qu'il faut photographier d'une certaine manière pour que quelqu'un puisse la regarder Disons qu'au début, il n'y a pas vraiment d'exigence parce que je découvrais la botanique, je découvrais la photo en même temps, j'ai tout découvert en même temps, les outils n'étaient pas ce qu'ils étaient maintenant, les appareils numériques, c'était pas ça. Hein. Donc je prenais les photos, je rentrais à la maison, je regardais dans les bouquins, je me rendais compte que j'avais pas photographié de bons critères. Que je pouvais pas mettre un nom sur ma plante parce qu'il manquait des morceaux, parce que j'avais pas regardé les feuilles, parce que j'avais pas déraciné la plante pour regarder sa racine, j'avais pas. Voilà. Et puis petit à petit, l'exigence allait arriver un petit peu comme ça. C'est-à-dire que je me suis mis à photographier de plus en plus les critères. Alors au début, je faisais graphier tous les critères,
mais ça faisait quand même des photos assez moches. Hein. C'était, voilà, il y avait tous les morceaux, mais ça faisait pas un tout. Ouais. Puis petit à petit, j'ai eu une exigence qui a augmenté en termes de qualité photographique. Ouais. Ça s'est fait... De technicité aussi. Voilà, ça, voilà, les outils ont aussi progressé. Moi-même, je suis devenu exigeant et... Ouais. Ça s'est fait sans s'en rendre compte, en fait, hein, petit à petit. Et du coup, combien de fleurs photographiées Moi, j'ai un site internet qui fait un peu référence dans le domaine. Ouais, il y en a presque 5000 dessus, 5000 espèces d'Europe, ouais. À peu près. Enfin, d'Europe, surtout de France, des Alpes principalement, de France, puis un peu plus exotique, les Alpes orientales, les Canaries, l'Espagne. Il y en a qui disparaissent, il y en a qui apparaissent enfin, c'est toujours... Des plantes ouais, des ah, fleurs. Oui. Alors, il y a des... Alors elles n'apparaissent pas, elles arrivent. Elles migrent. Voilà, ouais. Elles arrivent. Il y en a pas mal qui arrivent du sud. Donc changement avec... climatique. Ouais, changement climatique, mais il n'y a pas que ça. Il y a du changement climatique, c'est évident. Il y a aussi des modifications des voies de communication. Ouais. Par exemple, la création de l'autoroute à 51 ici a fait remonter tout un tas de choses du sud. Ouais. Après, il y a des phénomènes plus récents comme l'arrêt du phytosanitaire par le gestionnaire d'autoroute. Qui maintenant fait de la fauche mécanisée et qui propage des graines autant qu'il peut en montant. Mmh. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Après, il y a l'horticulture qui nous amène énormément de choses. Mais je pense que cette évolution, il faut en tenir compte, c'est scientifique aussi. Enfin, et oui. Parce que ça change le... L'homme est un perturbateur de son écosystème et c'est une perturbation comme une autre. Là, parce que je me posais la question, quand on construit un guide visuel qui est quand même une entreprise dingue, enfin, je veux dire, sauf si on tombe sur une personne qui a déjà toutes les photos de fleurs, tout ça. C'est quoi l'obsolescence d'un guide? Parce que, enfin, de la chaîne Nestlé, ils ont refait, sur certains trucs, ils ont actualisé... Alors, la nature, c'est évident, ouais. ça évolue, effectivement, ça évolue quand même à un rythme qui est, à l'échelle d'une vie humaine, qui est pas si rapide que ça, quand même. Ouais. Donc, ce sont surtout les connaissances qui évoluent. C'est-à-dire qu'elles vont... Ouais. Elles vont s'affiner, elles vont se compléter. Et donc, effectivement, ça nécessite des rééditions. Donc, on a des livres qu'on est à la troisième, quatrième édition. On met à jour les cartes, on renouvelle l'iconographie. Là, on a fait la réédition du livre sur les chauves-souris. Tous les effectifs qui étaient donnés ont été remis à jour. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Donc, on complète aussi le maillage territorial en termes de couverture. Donc on complète les choses, on affine la répartition, et on se rend compte, effectivement, il y a des espèces qui régressent, alors pas au point de disparaître, hein. Les espèces qui disparaissent, c'est quand même très très rare. Un guide naturaliste, c'est géographique et botanique. C'est un biotope. Enfin, il y a toujours ce qu'on appelle une dition, voilà, c'est-à-dire que la notion de dition, c'est le périmètre de l'étude. Okay. Donc, c'est l'atlas d'Edouard Chasse, la dition, c'est le 0,5. Jusqu'à en devenir presque stupide par moment, mais le naturaliste est extrêmement territorial. Okay. Parce qu'il veut le mettre. Ces territoires, ils ont été posés par qui, quand enfin... Ils ont été posés arbitrairement, je pense. Alors chez nous, ça marche bien. Par un ancrage territorial des gens voilà, qui observent. Un naturaliste, vous interrogez un naturaliste des Alpes de Haute-Provence, il ne traverse jamais la Durance pour venir chez nous. Et de la même façon, on ne le fait pas de l'autre côté. C'est à un moment donné, il y a tellement de choses à voir que je pense que implicitement on se met une limite. Cette limite, c'est une limite administrative idiote, mais on va pas de l'autre côté parce que sinon on n'en finit pas. Parce que sinon on va baver encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. C'est vrai, c'est intéressant. Si vous collectionnez les timbres ou les monnaies, vouloir collectionner les timbres de tous les pays du monde, c'est juste peut-être. On va saupoudrer, mais on n'arrivera jamais à la complétude. Ouais. Bon, là, on est dans le même esprit de collection. Si on veut vraiment faire l'inventaire des espèces d'un département, comme le disait Franck, il y a tellement à faire que déjà, on se contente. Non, parce que je me disais, est-ce que c'est lié à un centre de recherche qui a implanté un endroit et qui a délimité une zone de recherche? Il y a un climat où... Il peut y avoir des choses comme ça. C'est vrai que souvent, on est basé sur des entités administratives parce qu'il y a des limites qui sont claires, nettes, établies. Des fois, elles sont cohérentes, ces limites. Par exemple, dans les Hautes-Alpes, les limites administratives sont extrêmement cohérentes avec la géographie avec la nature. Et le climat. Ouais, okay. C'est vrai, mais par contre, dans certains... Je vois la Bourgogne, par exemple, il y a plusieurs climats. Voilà. Vous feriez la classe de la Sarthe. C'est pas forcément super délimité sur les bords, mais voilà. Mais ici, chez nous, ça marche. Dans d'autres régions, ça ne marchera pas.